Chaque fois que la gauche est aux responsabilités du pouvoir, le Front National monte. Chaque fois. Ce n'est pas un avis que je donne, ce n'est pas un conseil, ce n'est même pas une analyse. C'est un fait. Hier, Alain Juppé et François Fillon menaient un meeting commun en Gironde. Ils ont tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une victoire de Nicolas Sarkozy, mais plutôt de la stratégie d'union avec le centre. Les chiffres que j'ai donnés sont exacts. Bon, les chiffres, vous Jean-Marie Le Pen faisait 10% des voix en 2007 à l'élection présidentielle et Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2012 de l'extrême droite, a fait 18%. Monsieur Maigret, d'accord. À l'élection présidentielle de 2007. Est-ce que je... Tout le monde s'est impliqué dans cette campagne. Puis c'est pas que le MP, j'aurais quand même le rappeler aussi. C'est aussi l'UDI, c'est aussi le MoDem. Moi, partout où je suis passé, j'ai vu des binômes UMP, UDI, MoDem. Ce lundi, Nicolas Sarkozy a donc fait une petite visite de courtoisie au siège du Parti centriste. Même si une différence de taille distingue les deux formations politiques, l'UDI appelle à faire barrage au Front National, pas l'UMP. Les Français qui veulent une alternance locale et espèrent une alternance nationale un jour, ils souhaitent d'abord qu'on s'entende pour pouvoir gouverner demain des départements ensemble. Et le modèle, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Monsieur Sarkozy ? Bonsoir. Le Front National peut emporter l'Aisne ou le Vaucluse que si l'UMP n'est pas à la hauteur des défis républicains. Si l'UMP joue la carte du Front National, vous aurez deux départements tenus par le Front National dimanche soir. J'ai adhéré à la voie qui a été Vous respectez décidée. La ligne. Je respecte la ligne. Vous me demandez à titre personnel, je ferai ce qu'il faut pour qu'un électeur, un candidat du Front National ne soit pas élu. Toute personne qui fera un accord avec le Front National, nous le mettrons dehors et en même temps, nous ne voterons dans les rares cas où nos candidats ne peuvent pas se maintenir, ni pour les candidats de la gauche, dont nous combattons la politique, ni pour les candidats du Front National avec qui nous n'avons rien à voir. Le nini de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est pas celui qu'on croit, hein. Ni PS, ni FN, mais aussi ni Juppé, ni Fillon, ni Le Maire, ni Bertrand, c'est clair. C'est aujourd'hui la position de l'UMP. Et c'est celle que vous défendez aujourd'hui ? Et c'est aujourd'hui cette la position de l'UMP. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme est-ce le numéro 2 de l'UMP. Celle je vous dis que quelle est la position de l'UMP. Est-ce que bien c'est sûr que je défends la position de l'UMP. Donc vous défendez le nini. Bien sûr que je défends la position de l'UMP. Donc il y a une rupture par rapport à cette histoire qui est faite par Nicolas Sarkozy et qui effectivement, oui, est une vraie forfaiture. Pour le second tour, nous pensons pouvoir vous apporter 50% de nos 2%. Ce dessin nous renseigne autant sur la faillite des écolos que sur l'art de savoir présenter les choses. Oui, les écolos apportent 50%, oui, mais 50% de 2%, c'est-à-dire rien, peanuts, des cacahuètes. Je lui demande de se reprendre tranquillement, sans être nerveux. Je lui demande de réfléchir aux conséquences de sa prise de position. C'est une faute, en effet, morale par rapport aux valeurs de la République. C'est une faute politique qui ne sert pas à la droite républicaine, qui se trouve du coup très divisée. Elle ne se prive pas de faire des commentaires. L'invité ça, je dois dire que de ce côté-là, on est gâté. Hier on se demande s'il travaille de temps en temps, d'ailleurs. Manuel Valls fait des médias matin, midi et soir, depuis maintenant un certain nombre de semaines. On se demande s'il est de temps en temps dans son bureau. Vous savez pourquoi faire ? Rien que pour réfléchir. Au moins deux écolières de 6 ans et demi auraient subi des viols dans leur classe par leur enseignant, qui était aussi le directeur de cette école. Des ateliers qui se passaient au fond de la classe derrière un paravent. Sous prétexte de devoir tester leur goût, les fillettes, yeux bandés, se seraient vues imposer de faire des fellations à leurs professeurs. Un quadragénaire qui avait déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques. C'est dans ce commissariat que la plupart des policiers mis en cause ont été interpellés. En tout, ils sont 5. Une femme major, un brigadier et 3 gardiens de la paix. Ce petit groupe est soupçonné d'avoir mis en place un système de racket des dealers. Dans le collimateur aussi, des vols dans les scellés judiciaires ainsi que des perquisitions illégales. La liste est longue. Il y a de nombreuses victimes, 150. Parmi ces victimes, il y a des Espagnols. Et je veux ici exprimer au nom du peuple français toutes nos condoléances, toute notre affection. C'est cet avion, un A320 de la compagnie Germanwings, qui s'est écrasé. Ce matin, il quitte l'aéroport de Barcelone à 10h01. Il doit rejoindre Düsseldorf, en Allemagne, où il doit atterrir vers midi.
Mais à 10h47, le vol s'est déclaré en état de détresse pour des raisons inconnues, près de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Puis à 11h, l'appareil disparaît des écrans radars. Nos condoléances, nos pensées vont aussi aux autorités allemandes et turques pour les personnes décédées aujourd'hui. Nous craignons évidemment que les 142 à 150 passagers et personnels de navigation soient aujourd'hui décédés vu les conditions de ce crash. 150 passagers, dont 6 membres d'équipage, c'est le bilan définitif ce soir du vol Barcelone-Düsseldorf qui s'est crashé ce matin dans les Alpes de Haute-Provence. Nous serons sur place. Je vous demande d'observer un instant de recueillement.